bodies on the ground, so the chance now then for Corleto. Aguilla est parti. Il a Corleto. Les jambes de Corleto face à Domenici. Ça nous rappelle le match de l'ouverture. Et ça se termine comme le 7 septembre. Pressure putting O'Gara off just enough so he missed touch. Here's Corleto having a drop and goal. Remember, win behind, and it's accurate. It's fabulous from the fullback. Referee Matt Cobain called offside. Orengo now. And here it is for Corleto. Did he hold onto the ball? Groupe à deux, première division. Oh, Stéphane Glapp qui le trouve, Philippe. Stéphane Glapp qui le trouve, c'est Corleto en hauteur. Et Ignacio Corleto, ça va planter le deuxième essai du match et du délire côté parisien. Poursuivi par Corleto, Manuel Edmonds repris par l'arrière des Pumas et du stade français. Tacolard, je tiens, avec Stéphane là qui croise avec Corleto. Corleto a transpercé la défense toulousaine. Ignacio Corleto tout seul, maintenant qui va rentrer dans les 22 mètres. Il lui faut attendre le soutien, il va au sol. Galtier, sauté là-bas pour Corleto. Au large, Corleto tout seul, Corleto, qui marque. Le deuxième essai du match, inscrit par l'arrière des Pumas et du stade français. Après le score, 9 points. Oh, de Corleto maintenant, qui récupère l'intérieur, qui échappe à Tomati.